Coucou les filles, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour enfin vous l'annoncer. Ça y est, c'est ouvert, c'est le concours des 10 000 abonnés pour gagner. Ouais, là vous vous dites ça. Non, vous allez gagner un reborn bien évidemment. Mais à l'heure actuelle où je vous tourne la vidéo, on n'a pas encore les 10 000 abonnés et le bébé n'est pas encore fait. Voilà, tout simplement. On est à 9710 si je dis pas de bêtises ce matin. Et du coup, je me suis dit que c'était le moment idéal pour commencer à vous tourner la vidéo, à vous présenter le bébé que vous allez gagner et à surtout à commencer votre bébé pour qu'il soit prêt pour les 10 000 abonnés. Ah, d'après les statistiques YouTube, je fais que de répéter ça depuis quelques semaines, mais les 10 000 abonnés arriveraient pour le mois de septembre, donc c'est très très proche. Du coup, l'idéal ce serait que votre bébé soit fait maintenant, qu'il soit terminé pour septembre. Comme ça, dès l'instant où j'atteins les 10 000 abonnés, je bloque les participations au concours, je tire au sort et la personne peut instantanément recevoir son bébé. Si jamais il n'est pas encore terminé, je pense que la peinture pourra être avancée, mais peut-être le routing pas commencé ou pas fini. Vous pourrez peut-être choisir si vous avez une préférence, en sachant que de toute façon mes bébés sont châtains, foncés ou clairs. Je fais pas de bébé blond ni roux ni quoi que ce soit. J'aime bien les trucs simples, donc voilà. Voilà pour ça. Donc je vous présente le kit tout de suite et on se retrouve juste après. Bon, du coup je vais essayer de vous montrer votre bébé en détail. Voilà comment se présentent ses petits pieds. Je ne sais pas si vous allez bien les voir. Des petites jambes toutes mimi avec des tout petits pieds. C'est un petit bébé, hein, mais pour m'y remettre et puis pour commencer, je préfère vous faire un petit bébé et être sûre de le finir rapidement. Ensuite, les petites mains. Les petites mains. Comme ceci. Donc vous avez un poing fermé et une main ouverte. Voilà. Et ensuite, on passe à sa petite tête qui est vraiment toute petite. Donc, ça va être plutôt rapide de faire un routine et je vais pouvoir m'appliquer. Voilà, donc là, comme ça, ça ne paye pas de mine. Je vous l'accorde. Ça peut même vous faire peur étant donné qu'il n'y a pas les yeux. Mais quand elle aura des yeux et tout, éventuellement, je vous mets des photos ici de ce que ça peut donner. Le bébé fini, que vous n'ayez pas trop peur. Mais déjà, on va lui mettre ses yeux là tout de suite. Voilà, une petite bouille renfrognée, mais très très chou quand même. Et j'ai reçu ces petits yeux, donc je les ai commandés chez Nathalie Bayon, qui est reborneuse également, que je connais. Voilà, Nathalie, vous la retrouvez au salon Paris Création, on en parlera ça du salon du mois de novembre, dans une prochaine vidéo. Mais voilà, vous la retrouvez au salon où elle vend et expose ses reborns et du coup son matériel, et vous la retrouvez sur son site où elle vend. Donc c'est l'atelier Reborn Shop, je vous mets les liens en barre d'infos, n'hésitez pas à aller la voir. Elle vend du très très bon matériel, sinon je me fournis aussi chez Bébé Reborn Chic. Je vous mets tout en barre d'infos parce que vous êtes nombreuses à me demander où j'achète mon matériel. Donc voilà, là les yeux viennent de chez Nathalie. Elle était en rupture de stock sur les couleurs que j'aurais préférées, c'est-à-dire un bleu gris. Mais du coup j'ai pris un bleu, je sais pas ce que j'ai pris. À vrai dire, je sais plus très bien, mais voilà, je suis restée dans des bleus plutôt foncés pour rester réaliste. Et surtout, il est très important de prendre des yeux de qualité, c'est-à-dire que j'ai pris des Locha, en gros c'est en cristal soufflé, c'est des yeux qui sont uniques hein, du coup, mais surtout très très réaliste. N'allez pas prendre des yeux en acrylique, ou même en, les yeux en verre sont de très moins bonne qualité que ça. Je vais commencer avec les yeux en verre au début et il n'y a rien de mieux que ça. Donc c'est bien emballé, hein. J'ai reçu la laine dans, ça c'était encore dans du papier alu et dans un grand carton, donc voilà. Dans un papier bulle, pas dans un papier. Et du coup ce bébé on va le reborner ensemble. Je vais reprendre les tutos reborn pour ce bébé, pour votre bébé. Donc voilà, on essaiera des nouvelles méthodes éventuellement. Il faut faire très très attention, si l'œil tombe il casse. Je l'ai vécu, je vous assure que j'ai pleuré. Je vais tenter de vous les montrer, ça fait flipper non? Que vous voyez bien la couleur. Voilà donc comment se présentent des yeux de reborn. Et maintenant je vais lui mettre. Au niveau des yeux, pour info, ça vaut 25 € et parfois plus selon la taille. Genre que c'est beau. Voilà donc, les yeux du petit bébé Tayla sont placés. J'aime plutôt bien le rendu. Maintenant, il faut l'avoir peinte et avec des cheveux. Je lui ai aussi acheté une tenue. Donc, je lui ai acheté ça. Du coup c'est une petite préma, donc il fallait une tenue pas trop grande, et je ne sais pas encore si ce sera une fille ou un garçon, donc j'ai pris du orange qui peut faire mixte ma foi. Voilà, c'est plus fille peut-être, je sais pas, dites moi si vous trouvez que ça fait mixte. Dans tous les cas le bébé sera mixte je pense, dans le chum là, admire, je rêve.
Voilà sa petite tenue, je vais faire quelques petites photos, mise en scène du kit en fait. Je vais mettre la tenue, je vais faire semblant de l'assembler pour voir un peu ce que va donner le bébé une fois fini, même si là pour l'instant ça ressemble absolument à rien. Voilà un peu ce que ça donne au niveau du corps quand on fait, enfin quand je fais un pré-assemblage. Je sais pas trop si les autres riborneuses le font aussi. J'ai tout simplement rembourré avec des doudous, hein, histoire d'avoir un corps un peu plein. J'ai attaché les membres et là je vais attacher la tête. Donc, il ne faut pas faire des doubles nœuds bien sûr, puisque c'est pas de façon définitive là que je suis en train d'assembler son corps. Je fais juste un petit nœud. Voilà donc qu'au moins je me rends compte si le body va et de ce que va donner le bébé. Coucou. Bon, voici concrètement ce que ça donne. Je lui ai mis un bonnet rose, donc là ça fait forcément fille. Je trouve que la tenue fait un petit peu plus fille, je dois l'avouer, mais bon, si jamais elle doit être un garçon, je lui trouverai une autre tenue, c'est pas un souci. Donc voilà, vous voyez un petit peu par rapport à ma main, c'est pas un très très gros bébé. Là on est sur du 40-42 cm à peu près. Et voilà la petite bouille, je vais prendre quelques photos que je vous mets juste après. Et puis voilà, c'est votre bébé les filles. Bon du coup voilà, c'est votre bébé, il sera bientôt démarré, peut-être qu'au moment où je poste la vidéo le bébé est déjà en cours, je ne sais absolument pas. Donc ça se passe partout pour participer, je me suis dit que ça allait être plus simple. Vous pouvez, alors vous ne pouvez pas participer ici sur YouTube parce que c'est interdit de faire des concours sur YouTube. Voilà, du coup, si vous avez Facebook, si vous avez Instagram, bon pas Snapchat hein, évidemment, mais si vous avez Instagram, je vais faire un post sur Instagram où vous pourrez repartager ma photo et participer ainsi. Je vais faire la même chose sur Facebook, donc j'ai une page Facebook plus un compte Facebook, je vous mets tout ça sur l'écran, je vous mets tout ça en barre d'infos. N'hésitez pas à cliquer dessus. Donc voilà, vous pourrez partager sur tous ces réseaux. Et pour celles qui n'ont vraiment ni Instagram ni Facebook, je vous mets l'adresse mail. Mais ne le faites pas si vous avez déjà participé sur Facebook ou Instagram, parce que la boîte mail, j'ai beaucoup d'emails sur cette boîte. Et du coup, si jamais j'en loupe, vous voyez, ce serait dommage que je loupe des emails. Donc participez sur Facebook, là je verrai bien vos repartages. Vous pouvez participer sur Facebook et Instagram, donc ça vous laisse plus de chance. Je tirerai plusieurs personnes au sort sur les deux. Et par contre sur la boîte mail j'en tirerai qu'une seule et après je ferai un autre tirage avec tout ça, je pense que c'est comme ça que je vais faire. Voilà, la gagnante sera contactée dès qu'on aura atteint les 10 000 abonnés et dès que le bébé sera fini bien sûr. Du coup pour que nous atteignions les 10 000 abonnés plus vite, ben, n'hésitez pas à partager ma vidéo, à vous abonner, surtout à vous abonner. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez attendre la fin de la vidéo, vous aurez le petit logo pour s'abonner. Sinon, il se trouve juste en bas de l'écran. C'est le petit bouton rouge et à côté, vous avez la petite cloche que vous pouvez activer si ce n'est pas déjà fait. Ça vous prévient quand je sors ma nouvelle vidéo et éventuellement quand il y aura la vidéo de la poupette finie ou bien du moins en cours de travail. Voilà, vous pouvez aussi liker la vidéo si vous êtes heureuse de ce concours. Que vous dire ? Que vous dire, partagez au maximum, allez partager mes posts du concours et on se retrouve très vite pour l'évolution de ce bébé. On se retrouve sur les réseaux sociaux, je suis trop contente et impatiente de faire ce bébé. J'espère vraiment que je vais la réussir et qu'elle va vous plaire. Je vous fais des gros bisous, on se retrouve très vite avec votre bébé Taylor.